Procès du crash d'hélicoptère du Mont de Cordon, la société est responsable, mais pas son patron. Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné la société Azur Hélicoptère, dont le siège est à Bron, à 80 000 euros d'amende, dont 45 000 avec sursis. Le dirigeant, également poursuivi pour homicide involontaire, a lui été relaxé. Une déception pour les familles. En juin 2009, 6 employés du parc Walibi avaient trouvé la mort lors d'un baptême d'hélicoptère. Le pilote est lui aussi décédé dans l'accident.